Bonjour les amis, c'est l'apprentissage échec. Alors aujourd'hui on va faire une petite partie là. J'ai changé mon micro, j'espère que vous allez mieux m'entendre. S'il y a un problème de son, vous pouvez me le signaler sur la partie commentaire que j'ai activée, car je savais pas trop comment ça marchait. Comme je vous ai déjà répété, je suis novice à l'informatique, donc voilà. Donc voilà, c'est des petits problèmes techniques. Mais on y arrivera à bout. Donc on va créer une partie. Donc là, on va jouer une partie longue en 10 plus 10. Voilà. Donc la tranche, on met le maximum. On va passer en amical et ça va être notre première partie en partie longue, on va dire. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc la chaîne est en train de se faire là, donc j'en profite, j'ai un peu de temps, je fais des vidéos. Si vous avez des suggestions, vous pouvez y aller sur des thèmes de vidéos. Donc voilà, je suis ouvert à toute proposition. Donc là, on attend l'adversaire. Donc voilà, les premières vidéos, c'est vrai qu'il y a quelques petits bugs, des petits problèmes techniques. Mais bon, voilà. Bah écoutez, je joue contre un 1600, j'ai les noirs. On va jouer une Alekhine. Voilà. Donc s'il joue ce coup-là, s'il refuse l'Alekhine, ça risque de transposer dans une Scandinave. Ah, on va jouer là. Avantage de ce coup. Ok. On va prendre du cavalier. Ce coup est rare quand même. Ah, d'accord. Bon, il sort sa dame assez rapidement. On va l'attaquer. Ok, bon, on va se développer. Là, je pourrais déjà mettre mon fou, attaquer encore sa dame. Intéressant. Attaquer moi sa dame, déjà encore. Je pense que je vais faire ça. Non, il m'a attaqué ce pion. Donc, soit on joue ça. Peut être intéressant. Venir avec son fou. Allez, on va faire ça. Voilà, donc il sort un peu sa dame un peu tôt. On conseille souvent de sortir la dame après avoir roqué, parce qu'elle peut se faire attaquer. Donc là, on va protéger, on va roquer, et là on s'aperçoit que il est plus parti à faire un grand roque, ok, il rentre vers caille, comme on dit. Ouais, c'est bizarre sa façon de jouer. Bon, ben écoutez, moi je vais roquer. Et on va ouvrir la position. Hein. Puis on pousse. On prend. Ok. Alors, comment on se développe là? Peut jouer ça. Non. Peux jouer un coup comme ça, mettre mon fou en pionquet tout, c'est pas mal. Ça, je vais mettre son prochain coup, je pense que c'est ça. Puis on pousse. C'est pas mal ça. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Je prends. Allez, on va jouer ça. L'idéal, ça serait d'ouvrir les lignes, vu que son roi est encore au centre. Et voilà, c'est un coup intéressant ça, parce que déjà ça prépare les attaques de pion s'il fait le grand roque. Et je vais activer mon fou là. On va faire ça. Alors, il va jouer son fou là, son cavalier là. Cavalier là, pion pousse, cavalier prend, fou prend, pion prend, dame prend. Ok. Bon, cavalier là, avec l'idée de cavalier là, c'est pas intéressant ça. On va faire ça. Là, il va faire grand roque. Bon, on va commencer à lui poser quelques questions. Aïe aïe aïe. C'est ce pion en prise. Hein. C'est ce pion en prise. Il a joué un peu vite. Ok.
C'est bizarre sa façon de jouer. Puis on pousse, puis on prend. Dame prend. Cavalier prend. Cavalier prend ici. Cavalier prend ici. Ouf. Pas trop intéressant. Ça aurait été bien de mettre une tour ici. Alors, comment on peut profiter de son retard de développement? Fou prend, fou prend. Ouais, peut-être jouer ça. Pion prend, pion prend. Dame prend, cavalier prend. On va faire ça. On va ouvrir les lignes. Même si on échange des dames, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, comme on dit. Ok. Alors. Ouais, on va échanger les dames. On va échanger les dames. Fou prend. Ouais, elles sont pas revenues. Il y a son cavalier là. Ok, il a pris du roi. Alors, tour ici, j'attaque son roi. Pas mal ça. Cavalier là. Cavalier prend, prend, prend. Allez, on y va. Faut y aller. Faut profiter du fait que. Là, j'ai pas compris pourquoi il a pris du roi. Hein. Mais bon. Là, je pense qu'il va prendre là. Je vais prendre du fou. Ma tour ici. Ok. Oh là là. Ok. Cavalier prend. Puis on prend. Intéressant ça. Alors. Échec. Fou là. Cavalier 1. Cavalier prend. Fou prend. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, on va commencer par ça. Allez, il peut mettre son fou là. De mettre son fou là, c'est toujours bon de mettre. On va voir, je pense que son meilleur coup ça serait ça. Oh. Ok, cavalier prend, puis on prend, là, ça devient intéressant tout ça. Cavalier prend, puis on prend. Si je mets mon fou là, on va continuer à lui mettre la pression. On va continuer à lui mettre la pression là. Il y a un clouage, donc là ça commence à être tendu pour lui là. Bon, c'est vachement long, hein, donc c'est vrai que je joue un peu vite, je peux avoir des meilleurs coups, mais bon. On s'amuse comme on dit. Alors là, s'il met son fou là, pas. Ah, il y a quand même ça. Hein. C'est le cavalier qui protège. Cavalier prend. Fou prend. Fou prend. Ah, ça tient. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer là? Cavalier prend. Pion prend. Ah, il a que ce coup. Hein. Ok. Bon. Intéressant ce qu'il fait. Là, ça va pas être du matériel ou pas. Cavalier prend, pion prend. Là, je vais faire cavalier prend. Je peux venir là. Je fais ça. Échec. Je récupère la pièce. Donc, il ne peut pas venir prendre ici. Il ne peut pas venir prendre ici. Mais bon. Ok. Là. Échec. Là, il est obligé de revenir avec son cavalier ou son fou. Là, ça va être compliqué pour lui, là. Ça commence à être compliqué pour lui. Ok, il vient avec le cavalier. Moi, je vais prendre la tour. On va prendre la tour. Il va prendre ici. Pas de problème. Je ferai ça. Ça a le sens. Parce que je vais revenir là, je vais jouer sur le couage. Je peux jouer là aussi. Ouais, j'ai plusieurs bons coups. Hein. Là, j'ai ce pion qui est attaqué. Ok, alors soit je joue là ou soit je joue là. J'ai le choix, comme on dit. Là, je joue là, je récupère ici.
faire ça. On va faire ça pour attaquer ce pion. Il ne me restera plus qu'une pièce après développer. Il faut prendre un tour là. Là, j'avais plusieurs bons coups. Oh là là. Alors, tour 3. Je mets là ça. Donc, ah, mais j'ai fait un mousse-slip. Oh là là, c'est reparti. Hop, hop, oh. Oh là là, ce mousse-slip là, je voulais prendre le pion. Là, décidément. Oh là là, je donne une tournette. Ça m'énerve. Il a décliné. Oh là là, et ouais, putain. Je vais me dire que j'ai fait un mousse-slip. Ah là 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 là, décidément. Mousse-slip. Ça donne encore un fair play encore. Hein. Oh là là, c'est incroyable que les gens. C'est vraiment incroyable que la personne puisse la refuser. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut prendre, tourne. Ici. Allez, on va faire ça, tant pis. Hein. Tant pis. Oh là 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 là. Quel voir. Ok. Alors, je vais venir là. Je vais venir là avec l'idée de reclouer son cavalier. Ok, reviens là. Je vais revenir là. Mais bon, c'est déconné, hein. S'il y en a. Cavalier là. C'est mon slip. Faut que je fasse attention. C'est la souris, c'est. Je sais pas. Sacré mon slip. Dommage, on a de moins en moins de fair play sur internet. Hein, comme si. Heureusement que c'est un élo fictif. Hein, parce que. Quand on voit les gens comment ils réagissent. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, si je l'amène ici. Là. Écoutez. On va jouer là. On va mettre là. Échec. C'est bon. Je suis pas mal encore, mais bon, c'est con d'avoir donné le tour en un coup, quoi. Cavalier là, avec l'idée là. Oui, j'attaque ce là. Ok, je vais jouer ça après. Comme ça, s'il y en a. Ah, ça marche pas plus. Non. Hein. S'il y en a, je peux pas l'attaquer encore. Il y en a, ça va dépendre. C'est pas mal là. Je prends là, il vient ici. Je vais jouer ça. Comme ça, s'il y en a, je prends là. Échec. Il y en a. Ah, il a bien joué là, il a senti la patate comme on dit. Allez, on va gratter ce pion. Il va venir là, et je vais lui faire tour point. Non, ça marche pas. Là, je vais lui faire ça. Cavalier là, je vais rajouter un peu la pression. Fou point, fou là, cavalier là. Voilà. Là, je comprends pas pourquoi il a pas chié d'un seul coup. Marche ça. Alors, comment je peux faire? Cavalier là. Comment attaquer ce cavalier? Si je fais ça. Voilà. Cavalier là, j'attaque ici. Ok, on va. On a bien tiré là, ça l'est bien tiré quand même. Voilà, là, sur mon slip, là. Je peux faire ça pour venir là. Bon. Tu fais là, peut-être ici. On va faire ça. Faut prendre, on va prendre. Non, j'ai pas la bonne découverte. C'est pas mal ça. J'ai une enfilade. Ah, c'est pas mal ça. Cavalier franc, roi franc, enfilade. Ok. Persiste ici. Hein.
Je vais pas faire de full slip cette fois. Je vais les jouer là. Donc il va être obligé de partir. Et après, je vais prendre ici. Il va faire roi prend. Échec. Enfilade. Ah, c'est pas mal ça. Ok, il joue là. Bon, il veut gratter. Comme on dit, il veut mourir devant le peuple plein. Allez, c'est parti. On va faire ça. Il va prendre ici. Échec. Ça peut presque monter ça. Une drôle de façon de jouer. Tour prend. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas aller là, il est obligé de venir là. Je prends là. Ah, c'est pas mal ça. Là, je viens là. Échec. Il est obligé d'aller là. Échec. Je récupère son fou. Bon, ça c'est pas mal là. Là je prends, je fais une découverte. Ok. Échec. Bon, par contre, tu peux prendre là. Ah non, il peut pas prendre là, c'est bon. Donc il est obligé de revenir là. Je prends ici. Ok. Donc là, je récupère ici. Il va prendre ici. Je vais lui faire échec. Alors il me demande l'annulation du coup. Alors là. Je vais lui montrer que je suis quelqu'un de fair play. Je vais lui montrer que je suis quelqu'un de fair play. Voilà. Alors moi je suis, je refuse. Je refuse pas. Mais bon. L'échec, il peut pas. Je suis pas là pour gagner des points d'eau. Donc j'accepte. Mais bon, là, il peut abandonner, hein, parce que là, je vais récupérer là, et quand il va prendre là, je vais lui faire une enfilade, et là, là, c'est après, c'est juste, voilà. Votre adversaire propose l'annulation du coup. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ok. Ah, d'accord. En acceptant, j'ai reculé de deux coups, mais bon, il peut refuser jusqu'à, il peut calculer jusqu'à demain, hein. Il n'a pas d'échappatoire, hein. Il est obligé d'aller là. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il ne va pas quand même laisser tourner juste les 6 minutes là. Il ne va pas quand même faire ça. Ok. Échec. Tu peux pas l'empêcher, mon petit. Je peux pas l'empêcher. Faut que je fasse la fin. C'est d'être ma souris qui a un problème parce que, on va dire, une partie sur deux, pratiquement, je fais des mousslips. Et vu que. Ah, il ne veut même pas prendre. Voilà. Et là, il me donne. Allez, on prend. Hein. On prend. Ok. Donc là, on va attaquer ce pion. Il va être obligé de jouer là. Voilà, il fait même pas ça. Échec. On va récupérer celui-là. Ah, il va abandonner quand même. Échec. Là, on va venir protéger. Je vais même prendre là. Voilà. Voilà. Maintenant, le but du jeu, c'est pas de faire patte. De pas le mettre en patte. Donc là, il peut abandonner, je pense. Ok. Allez, on y va. On va envoyer le fantassin à une dame. C'est pas joli, mais bon. Ok. Ok. Alors, si je viens là, que je fasse une dame. On peut toujours aller là, ça va. Allez. Une dame. Échec.
Alors, on va essayer de le mater assez rapidement. Dame échec. Il peut aller là ou là. Même pas. Il peut aller que là. Tour A. Échec. Ouais, on va faire ça. Échec. Ok. Donc maintenant, là il peut pas aller. Il peut pas aller là. Il peut pas aller là. Donc un simple échec, c'est mat. Si j'ai bien calculé. Voilà. Bon, la partie n'a pas été trop fair play. Heureusement qu'il avait un petit niveau. Mais bon, ça montre que même les petits niveaux, quand même, je comprends pas. Bon. C'est malheureux, je vais dire, mais bon, j'espère que la partie vous a plu, malgré, on va dire, ce petit incident. Je ferai donc peut-être encore une vidéo ce soir, là. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et vivement que le confinement se termine. Allez, ciao, ciao!